c'est à tous, c'est Zone Info, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais présenter une batterie externe. Donc dans cette vidéo on va la déballer, on va découvrir tout ce qu'il y a, tout ça, toutes les fonctionnalités et les caractéristiques. Et dans une prochaine vidéo je vous dirai mon avis sur cette batterie externe. Pour les gens qui me suivent, qui ont vu la vidéo sur les top 5, vous allez vous dire que Dodo Info il a 3 batteries externes. Non, les deux autres que j'avais présentées dans mon top 5 appartenaient à un pote à moi. Donc il me les avait prêtés pour faire mon top 5. Donc moi je l'ai rendu et je me suis dit que ça serait plutôt pas mal que je m'en achète une. Donc voilà, je l'ai acheté. Donc je connais pas trop la marque, mais d'après les avis sur internet, c'est une très bonne marque. Donc maintenant on va passer sans plus attendre au déballage. Voilà, j'ai avec moi la batterie 26, donc je pense qu'elle se le prononce comme ça. Donc une batterie externe de 20 000 mAh, donc c'est vraiment énorme. Hop, je glisse. Donc packaging joli. Donc là, voilà, on a la boîte ici. Par contre, ça, un peu moins joli, mais bon. Donc là, c'est pas, voilà, c'est bon. Là, il y a pas de couleur, mais bon, la boîte, on s'en fiche un petit peu. Voilà, quand on ouvre, on retrouve ça. Donc ici, on a la batterie externe. Et ici, on a le câble pour la recharger. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc un cache à plastique, voilà. Et ici, on retrouve le câble micro USB vers USB normal. Donc c'est bien dommage qu'on n'a pas la prise au bout. De toute façon aujourd'hui on peut brancher ça sur un PC, sur une télé, sur un lecteur DVD, aussi sur un socle de chargeur de téléphone donc. Et pour finir des petits papiers, une petite notice pour savoir comment sert la batterie externe. Mais bon c'est pas compliqué. Donc le plus important est là, donc ici on a le câble, ici on a la partie batterie. Donc elle est un peu lourde, bon c'est normal, c'est une batterie qui fait 20 000 mAh. Elle fait son poids quand même, c'est ni trop lourd ni trop léger. Donc hop, on va ouvrir l'étui. J'ai juste posé mon doigt là et en fait la batterie s'est allumée. Regardez, en fait c'est tactile. Donc en fait on a un écran digital, donc on va découvrir ça après. Donc là on va finir de déballer. Donc on a deux coloris au choix, on a du blanc et du noir. Moi j'ai pris le noir. Le noir je trouve qu'il est plus joli que le blanc et en plus il est moins cher. Voilà la bête, donc très joli design. Ça ressemble plutôt à de l'aluminium pour ici, alors que non c'est que du plastique. 20 000 mAh fait. Donc bien sûr fabriqué en Chine. Ici on retrouve deux sorties USB, donc la première sortie je crois que c'est une charge rapide et l'autre c'est une charge 3 fois plus rapide je crois. Il est marqué 3 avec un éclair donc je sais pas, mais bon il faut savoir que cette batterie a la charge rapide. Donc ici on a l'USB type C, donc c'est la première sortie que je vois USB type C, c'est vraiment, je suis content, c'est la première que je vois. Et ici on a le IN, donc IN qui permet de recharger la batterie. Donc j'espère que c'est pas très long à recharger, de toute façon je vous dirai dans ma vidéo de test. Et donc là si j'appuie ici, voilà, ça s'allume, la batterie s'est allumée, on voit qu'il y a 66% de batterie. Donc moi je trouve que c'est plus joli d'avoir les chiffres que les petits points. Je trouve que c'est plus précis et on voit vraiment ce qui reste dedans. Bon je suis content, c'est bien compact, ça s'ouvre pas de tous les côtés comme certains produits. C'est bien costaud, ça se tord pas. Voilà, bon après on va pas s'amuser à la tordre, mais bon c'est bien costaud, je pense que ça fera le taf. Et ça ne s'abîmera pas dans le temps. Donc mes amis, j'espère que ma vidéo sur ce déballage de la batterie externe 25 vous aura plu. C'est quand même, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Je prévois de faire un petit concours cette année vers juillet, c'est-à-dire faire gagner une carte Amazon d'une valeur de 50€ ou de 100€. Donc pour ça, il faut partager toutes les vidéos. Et ensuite, je sortirai la vidéo du concours. Et après, je vous dirai de faire quelque chose, de partager par exemple un lien, tout ça. Et moi, ensuite, je sélectionnerai le gagnant et il gagnera la carte cadeau. Donc au final, il faut partager toutes les dernières vidéos, donc les 10 dernières vidéos de la chaîne YouTube. De toute façon, toutes les dernières vidéos qui sortent, vous les partagez, vous les likez et bien sûr, vous vous abonnez en activant les notifications pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Donc je pense que je vous ai tout dit. On se retrouvera dans un mois pour vous dire mon avis sur ce produit. Donc on fera la vidéo test et avis. J'ai juste oublié de vous dire le prix. Couleur noire, c'est à peu près 29€ et couleur blanche, c'est 30€. Donc il y a 1€ d'écart, mais bon, voilà, c'est juste 1€. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à me suivre sur Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, mon site internet et me contacter si vous avez un problème. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi, je vous dis à plus pour une Turfu vidéo. Salut !